N'oublions pas qu'il arrive, là, 50-60, c'est les années de la révolution tranquille, c'est les années de la révolution culturelle, c'est là où tout se transforme. Il y a un côté, quand je vous dis exotique, là, c'est vraiment extraterrestre. Il apportait un point de vue sur notre société qui était extrêmement original et nouveau. Bagdad, c'est le lieu qu'il fallait quitter. Il voulait aller voir un autre monde plus ouvert, plus libre. C'est le cas d'une immigration réussie parce qu'il avait déjà la clé nécessaire pour s'incorporer, pour se marier au monde dans lequel il est arrivé. Cette clé, c'était la littérature. Mon rêve d'enfant, c'était d'être écrivain. Intellectuel, je ne sais pas, mais écrivain. Quand j'ai passé d'une langue à l'autre, j'ai dû, comme écrivain, me taire pendant 20 ans à peu près. Je n'ai pas écrit de littérature pendant 20 ans. Et mon premier livre, Le réel et le théâtral, c'était pour décrire mon itinéraire de Bagdad à Montréal. Et après, mon deuxième livre, c'était Adieu Babylone, où je racontais mon enfance. Il fallait que je dise d'où je viens, qui j'étais, pour être ici.